What the fuck? Oh le lore! Oui! alors attends. Regarde ce que je vois, il y a un hôtel devant et un hôtel là-haut à gauche. Plusieurs générations se sont écoulées depuis la grande migration. Ah bah tiens. Oh waouh! Oh non mais c'est excellent ce qu'il y a là-bas. Oh non. C'est magnifique. Tada! Oh la tenue spatiale! Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de réelle intro, ça fait plaisir. Bonjour Ludo. Bonjour Nico. J'espère que tu vas bien. Eh ben ça va bien, tranquillement, hein, écoute. C'est top. Le ciel est bleu, les petites gouttelettes tombent, franchement. Oui, les petites gouttelettes, tu parles de quoi quand tu parles de gouttelettes? Magnifique. Parle de... Alors, les amis, on a deux bonnes nouvelles. La première, les lacs sont à 100% d'une minute à l'autre. Ah, oh, ça va être beau ça. Ah, oh, ça va être beau. Et... Ah, je suis déçu par contre. Le cratère sera pas rempli de flotte là. Non, mais. J'ai marre de voir cette fumée là. Non, mais non, non. Alors, franchement, attends, tu verras. Ok. Ensuite, deuxième truc, on est sur la nouvelle mise à jour qui vient de sortir et qui s'appelle. The Explosive Update. Voilà, il est... Oh yeah. C'est... Vous avez vu, il a une tension explosive. The également. Explosive Update. Voilà, donc la mise à jour explosive. Donc voilà. Ça va péter. Alors, on s'est pas spoil, mais on a regardé un petit peu. Bon, bien sûr, il y a plein de fixes, plein de bugs réparés, machin. Mais on a surtout un nouveau biome à découvrir, des nouveaux items également, bien et sûr. Et à trouver, surtout. Il faut le trouver, en effet. Mais mec, alors, tu as un mais tu as un GPS? Dis-moi où il est ton nouveau biome. Comment ça j'ai un GPS? Bah appuie sur le point d'interrogation. C'est pas moi qui le laisse toi. Bah ouais mais même en dézoomant à fond. Vu qu'on a que le satellite T2. Allez donne. On peut pas plus regarde. Mais t'es flemmard tu peux. On a que envoyé une fusée. Donne. Ah oui c'est vrai on peut se balader. Trop tard donne. Alors T'es un salaud. Non mais on le verra pas je pense. Mais si! Mais. À mon avis, ça va être un truc souterrain, non? Mais. Ah! Ah, bah ça, on sait pas. Ça, on sait pas. C'est vrai. Il est vrai. En tout cas, les amis, on a vu vos commentaires aussi. Au-delà de la nouvelle mise à jour, vous avez été très nombreux en commentaire à nous dire que, en fait, les coordonnées qu'on a cherchées dans le précédent épisode, apparemment, on a mal fouillé et il y a vraiment des vestiges à trouver et pourtant, on n'a pas vu. Donc faudrait quand même y retourner, c'est ce que je te propose Ludo. Aujourd'hui, plus un épisode d'exploration. Ah bah écoute, let's go, hein, je suis chaud. Ce qui va être un peu alors, chiant, c'est... Alors je viens de découvrir un truc, mais bon, ouais. On ira... Je viens de découvrir que sur la toute à gauche de la map, ouais. Il y a quelque chose sans avoir quelque chose. Ouais, bah c'est sûr, c'est la nouvelle... Viens... Non, parce que c'est blanc, et le biome il est rouge. Bah... Donc c'est pas ça, il y a un autre truc. On dirait un énorme glacier, tu vois. Montre-moi. C'est quoi la carte, c'est où? C'est ça là. C'est le. Faudrait que je on dirait un énorme. Bah attends, t'es quoi, regarde là. Oh yes. Ah bah de toute façon, on s'en fout, on a de l'eau infinie. Oh. Quoi? Et bah voilà. Tu veux voir ma mousse? Alors. Non, nous on la boit la mousse. Voilà, merci. C'est exactement ce que je voulais dire. Obsidienne et alu. Oh, c'est bon, regarde, hop, et je me refais une carte. Allez, on en parle plus. Ah bah parfait. Donc je peux la garder celle-là. Tu peux la garder. Je te l'offre. Ah bah attends, on a plus. Oh, on peut utiliser les flèches du clavier pour naviguer. Mais y a que ça pour utiliser, con. Bah non, t'as les. Mais non, moi j'appuyais avec mes clics souris sur les flèches en bas. Ah ouais, non. Ah non, moi je faisais à. Ah ouais, mais je suis un salaud. Ah, je vois ce que tu veux dire en haut, le blanc, d'accord. Tout en haut, regarde, y'a un gros truc blanc. Alors ça doit être de la glace, mais. À mon avis, c'est pas pour rien qu'ils ont autant poussé la glace, tu vois. Mais la glace, mais c'était. On y était dans cette glace. Ah! Je l'ai trouvé. Ok, je l'ai trouvé. Le nouveau biome, moi aussi. Ouais. En haut à droite? C'est un peu de la triche, un peu. Ah non, moi je suis en bas à gauche. Non, ah. non, en haut à droite. Ah, c'était bien en haut à droite, ok. Non, mais attends, je vérifie. En haut à droite. En bas à gauche, en fait, on y est en bas à gauche, donc y'a pas grand chose. On y est. Et en fait, attends, ce qu'on avait parlé là, tu sais, on va se faire une nouvelle base sur un gros plateau. Ouais. C'était où? Il était où ce plateau de nouveau? Le plateau. Là, y a le labyrinthe. Tu vois le.
La grotte de soufre, elle est où la grotte de soufre? Mais elle est où notre base là? Mec, je suis perdu. Ah voilà. Tout en bas. Oui, bah. Notre base elle est là. Voilà. Et la grotte de soufre, elle est juste au-dessus. Et bah, tu vois la grotte de soufre? Et bah, et ouais. Donc tu vois le gros vaisseau? Ouais. Bon bah, c'est sur les dans collines. Dans le désert? C'est sur. Et bah, c'est sur les collines. Entre le vaisseau et la truc de soufre, à gauche et à droite? C'est ça. Le gros rocher là? Plutôt okay. À droite, mais ouais, c'est ça normalement. Ouais, c'est ça. La grosse plateforme. Ouais, d'accord, en fait, on est pas loin quoi. On est vraiment à côté. Bah, heureusement. Ok. Magnifique. Donc, bon, on bah, a écoute. Le nouveau biome là. Mais attends. Ah oui, d'accord, ok. Alors, ce que je te propose. Dans un premier temps, c'est de prendre sur toi à manger de l'oxygène et à boire. Justement, je me mets full bouffe, je vais chercher de la flotte au dehors et on est parti. Très bien. Très bien. Laisse-moi très un petit peu d'eau si possible. Oh, t'inquiète, j'ai un demi-inventaire là. Attends, je te ramène. Parfait, ramène-moi. Je te ramène la pression. Allez, oh. Bière, boum. Mais on n'a pas encore la mousse pourtant. T'as skiff. Merci beaucoup. La glace, on va la garder. Que ouf. Et de la nourriture, ouais, je vais prendre des courges. Oh oui, prends la courge. J'en prends pas mal parce qu'en vrai, voilà. Prends la courge, mon grand. Bon bah, écoute, et on est-y part. Ah oui, et du coup, on va quand même prendre au cas où la clé des gardiens sur nous. Voilà. Et on et la va... clé de mon cœur, tu la prends quand? Mais je l'ai déjà prise. Attends, je fais juste une. Je prends juste. Hop, voilà. Vas-y. D'ailleurs, je tiens quand même à souligner. Que notre amitié coûte 99 centimes et je t'en remercie. Personne n'aura la ref, c'est non, entre en fait, nous. Ouais, parce que je l'ai aussi fait pour un autre pote. Ah, t'es un salaud. Mais, je t'ai fait en premier. Ouais, bon. Ça va, eh oh. Donc en fait, écoute, 800, notre 800 amitié... et 300, ça se perd pas comme ça, hein. Écoute, Oui, mais notre amitié a la même valeur que d'autres amitiés. Bah voilà, je suis triste, je vais passer une mauvaise soirée. Ça te fait rire en plus. Eh, j'aurais pu ne rien faire, hein, attention. T'aurais pu ne rien faire. Est-ce et que toi tu l'aurais fait? Non, bah non. Ah bah voilà. Bah moi sur le coup j'étais triste. Ah y'a un coffre là. Pardon? Y'a des coffres qui spawn gros. Ça c'est moi qui étais mort ça à mon avis. Hein. Ah bah la bouteille d'oxygène. Attends, y'a des bouteilles d'oxygène, hop, regarde y'a plus rien. Ouais. Alors pour vous expliquer les amis, c'est juste qu'on a perdu les flammes sur Snap, c'est tout. Ah je suis mort. Alors. On va retourner quand même dans le biome champignon. J'en ai plein sous la ceinture hein, si tu veux. Oh là là, ça fait pas rêver ça. Oh là là. Ce biome champignon, ah oui, c'est là-dedans qu'on avait oublié des. Ah, ce qui paraît un hôtel. Bah, à ce qui paraît, c'est ce que je comprends. Mais c'est pas. C'est pas l'hôtel où justement il y a. Tu sais, où ça rentre dans la grotte là et... Bah, justement, moi je pensais que c'était ça ce qu'ils disaient les gens et je me suis dit, voilà, ils regardent même pas les épisodes. Mais non, parce qu'il y a un commentaire qui disait bien qu'il y a un autre. Hôtel. Elle a déjà fait tout le tour. Tu bah vois. Ouais, c'est ça ce que je comprends. Ou alors il y a un petit entre, tu sais, genre là il y a une petite grotte qui rentre et hop on a raté le truc. Tu vois. Je sais pas, mais moi ce que je te dis c'est qu'on a le time et qu'on va tout check. Et dans la flotte, y a pas un truc, tu sais, genre un truc souterrain, tu sais, une grotte souterraine. Ça mange pas de pain de vérifier, t'as raison. Donc voilà, ça c'est l'hôtel qu'on a déjà fait, les amis, juste pour vous confirmer, on l'a déjà fait. D'accord. Celui-là on l'a. Voilà, on l'a bel et bien fait. Voilà, on est rentré dedans, on va pas le refaire. Hein. Parce que pourquoi ils auraient mis de l'eau, tu vois? Oh, il y a un coffre doré sous l'eau. Vas-y, bah, j'ouvre. Tu vois, je me dis... Ah, vraiment? Ah, mais oui. Plan de micro-puce et barre de super alliage. Maquette dorée, oh. Barre d'uranium, d'iridium. Bon, nul nard, on s'en fout maintenant. Oh, graines dorées, 600%. Magnifique. Oh là là. Et plan de micro-puce, sachant qu'on a la mise à jour, la nouvelle mise à jour. Donc, ça se trouve, on va débloquer un nouveau truc de ouf. Genre un propulseur aérosonique super truc de la mort. Slash explosif. Slash explosif, exactement. Oh bah sous l'eau je vois rien moi, pas d'hôtel, pas de ouais. Truc. Ah un coffre. Encore? Pas en or mais. Ah. Pas en or. Oh. Arrête, dis-moi. Ah, il est bouche bée je crois. Allô? Et une barre d'uranium. Ah y'a eu un bug, t'as dit quoi? J'ai eu. Attends, je sors de l'eau parce que je suis crevé. Ah bon? J'ai eu deux fusibles. Ah ouais? Mais t'as pété et les plombs. Barres d'uranium. Mais t'as pété les plombs. Fusible de multiplicateur de pression. Insérer ce fusible dans un optimisateur pour augmenter les performances maximisées. Ah, les performances des machines à proximité. D'accord. Multiplicateur de pression plus 500%. Et oxygène plus 500%. Mais c'est abusé.
En fait, j'ai compris ce qu'ils veulent dire en commentaire, les chers abonnés que je vous aime. Et qui allaient mettre un pouce bleu dès maintenant, là. Mettez un like, là, direct. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que chaque coordonnée mène à un hôtel. Et donc, c'est-à-dire qu'on a quand même mal vu. Donc, sort direction là où je suis, à mon hôtel. Oui, je te vois, c'est bon, je suis là. Ah, viens. Salut. Et on va aller... Regarde, monte ça juste, regarde. Ouais. C'est un nouveau truc qu'on a jamais eu, ça. Fusible en effet multiplicateur d'oxygène. Insérer ce fusible dans le trou de cul de Ludo pour augmenter les performances des machines à proximité. D'accord. Hop là, raté. Vas-y, je suis prêt. Alors écoute, genre, on va aller par... Attends, ça va où ça? T'es sérieux, gros? Ça va où? Mais t'es sérieux? Ah non, mais c'est une sortie, non? Bah, je pense, mais... Bah, attends, je sais pas. What? Oui, c'est une... Mais t'es sérieux? Oui, on est... Non, on est déjà passé, il y a un habitacle. Ah bon? What? Bah oui, c'est pas... Bah oui, ça mène dans le biome obsidienne, dans le biome de lave. Ah oui, tout simplement. Alors attends, parce qu'il faut pas qu'on aille là. Ok, on est juste con. Ouais, mais... il faut aller là. Mais bien vu. Aller où? À l'opposé. Mais bien vu, oui. J'avais oublié cet endroit. Attends, viens, récupère quand même... Par contre, je suis déjà full, moi, par contre. Ah, alors récupère rien. En vrai, non, attends, j'ai l'iridium. L'iridium, on s'en fout, il y en a partout, on a des grottes pleines, c'est... C'est vrai. Bon, je fais marche arrière. Oui, je suis avec toi. Je t'attends dans la... Je suis juste derrière, t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Je suis avec mon fusible dans la main et je suis en train de te... Tu me suis, hein? Hein? Tu me suis, hein? D'accord, hein? Cochon. Viens, on va par là. Alors, on va aller en moins 580. Donc, faut sortir de la grotte, on n'a pas le choix. Moins 580, 1520. Ok. Tant te dire que c'est pas par là, mais bon, il faut quand même aller là. Alors, oh là là. Waouh. Ce biome, il fait peur. Un peu. Ouais, faut faire le tour par là. Il fait peur, mais la lune est belle. Non? On en parle qu'on se croit, on se regarde dans une salle. Regarde les étoiles, elles flottent. On dirait qu'il y a un faux ciel là. Ah oui, bien sûr. Alors, ils ont corrigé en effet. On peut plus passer à travers les rochers. Oh, c'est trop bien. Ça veut dire qu'on peut escalader partout, hein, par contre. Ah. Alors, il y a peut-être encore des rochers glitchés, je pense. Peut-être un peu, ouais. Ils ont peut-être corrigé un peu des trucs. Alors déjà, il y a un coffre. Ah, il y a de la lave là. Oui, et puis il y a un coffre là, regarde. Mais vous fumez, monsieur. Mais vous fumez. Bon, il y a rien dedans, c'est de merde. Ouah, des champignons. Ok. Donc attends, là, on est dans le biome lave, c'est ça? Ouais. Ok. Donc. Et il faut retourner vers le point bleu maintenant. Hein. Tu me suis? Bah là, si on monte, on arrive au. Oui. Ah non, 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 j'ai rien dit. Non, non. Là, non, t'inquiète. Là, c'est bon, là, je vais dans la bonne direction. Bon, on a fait un tour, un 3-6, mais c'est pas grave. C'est le cratère? Ah merde. Le cratère à côté de notre base? Ah, d'accord. Donc, ça c'est fait. Il me reste plus que parce que là, je suis en moins 580. Ouais. 1250 à peu près. D'accord. C'est le cratère, quoi. Maintenant, je sais pas si il nous montre le cratère ou s'il nous montre un truc dans le cratère qu'on a raté. Bon, direction maintenant à la coordonnée 964. D'accord. Oh, là, c'est loin là. non. On est en moins, donc déjà il faut refaire 600 par là-bas. Ah oui. Ah ouais. Donc 964, 1744. Voilà. Et c'est... Ok, c'est par là-bas. Mais ça va être ça le volcan en fait, le cratère. Donc, on passe la base. Non, non, mais non, c'est là, je suis en moins 200. Je suis au cratère et je suis en moins 200. Ah d'accord. 1200. Ok. Il faut passer au-dessus de la base en fait. Ouais, moi ouais. Je passe au-dessus de la base, du coup je vais pouvoir me vider, c'est bien. Pas de soucis. Et à tous les coups, oui d'accord. Et à tous les coups, ça va être le vaisseau. Enfin bref, je sais pas. Par contre, ouais, ils ont réparé pas mal de glitches dans les roches et ça c'est top. Ah, ça fait plaisir, clairement. Ah ouais. Bah, du coup, les fusibles, je les fous dans le coffre ici. Ah oui, voilà. Tant qu'on y est, vide-toi, hein, j'arrive aussi à la base là. Alors, du coup, les amis là, vous l'avez vu, hein. On était dans le biome champignon, il y avait qu'un seul hôtel, on l'a déjà exploré. Bon, maintenant, l'uranium, tu vas me dire avec les fusées, c'est plutôt un problème. Hein. Donc, les gars, si jamais il n'y a pas de deuxième hôtel dans le biome champignon, et. Ou alors on est bah, vraiment. Mec, on l'a fait de fond en comble. Bon, bah c'est... ouais. Je comprends pas là. Ça, je comprends allez, pas. Allez hop. Attends, juste ranger obsidienne. C'est où l'obsidienne? C'est là. Ouais, là, tout ouais, au bout. Parfait. Ouais, tout au bout. Tout au bout. Hop. Un nouvelle maquette. Ah bah, hé. La micropuce, vas-y. La micropuce, bien sûr. Découvrons tout de suite. Pour voir ce qu'on... Allez, un truc de ouf en vrai. Attention, 3. AK-47. 1, ouais. Et bah voilà, le présentoir de combinaison spatiale, c'est nouveau.
Non, c'est un présentoir nul. Bah, en tout cas, c'est super stylé, hein. Ouais, ah non, on n'a pas le quartz quasar. Dommage. Oh, oh l'arnaque. Dommage. Bon. Dommage, allez, on se casse. Donc, 900. T'avais dit quoi? T'avais dit 900. Ouais. Bah viens, on peut traverser la grotte là, non? Ou on passe par au-dessus? Ah, t'as raison. On ouais. Traverse la grotte. Et l'autre, c'est quoi? 1002, 1000, combien t'as dit? 1744. Donc c'est droit devant là. Ouais, bah ça va être le gros vaisseau quoi, laisse tomber. Hein. Ouais, mais c'est bizarre que ça nous montre des vaisseaux. Pourquoi ça ramène pas à d'autres. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on nous a dit qu'on a loupé quelque chose alors que ça fait 5 fois qu'on okay, fait là, la même chose. Là, on est en 1700 là. Ah oui! Ah oui, bien vu! Donc 964? Là-bas, c'est là-bas. T'es où? Longe les sables là ouais. Au-dessus là. Là. Non, à gauche. Là que tu me vois là dehors. Ouais. Eh bien, c'est droit devant là-bas. D'accord. C'est même un peu plus par là-bas. Là, c'est là on est en 1900, là ça redescend. 1800. Et t'as dit quoi, 700 quelque chose? C'est alors le premier c'est 964. Ah non, 900, pardon, je croyais 700. OK. 900 1700 quoi. Monte les rochers, monte. Donc c'est ici quoi, là quelque part hein. Là on est sur le gros plateau pour la future base là. Ah bah oui, parfait. Attends, bah là je suis unique. On est en 9 là, je suis en 950 1700. J'arrive plus à monter. C'est incroyable, ils ont patché n'importe comment leur truc là. Mec, je suis pile en 950 1700 là. C'est vrai. Ok, là je suis sur le plateau où on va construire notre future base. Ah oui, bah là où t'es. Ouais, pareil, je suis là où t'es. Et là on est pile les coordonnées. Alors est-ce que c'est en dessous? Attends. Et on a 900, raté un truc. 964. Je suis en 964 maintenant. 1744. 1744. Là, ah là. Là, mec, c'est pile là où je suis. Mec! Je suis tombé. Bon, YOLO, on a qu'une vie, hein. Alors. Mais non. Non, mais c'est juste un. Non, faut y aller. Mais non, il n'y a rien. Non, mais attends. Ah là. Eh oui. Là. Mais oui! Mais oui quoi? Ah! Mais what? L'hôtel des gardiens? Oh, regarde! Mais quoi? Mais on est où, frérot? Vas-y, je le mets direct. Ok. Vas-y, hein. What the fuck? Oh, le lore! Oui! What? Oh, porte. Attends, ça vous, ouais. Oh. J'avoue, regarde comme ça s'écarte tel des voler, cuisses, on va, là. On va pas voler. Tiens, je prends une bouteille d'oxygène, hop. T'as raison. Allez. Oh là là! Mais t'as déjà vu ça, toi, ou pas? J'ai un vague souvenir, mais je sais plus tout ce qu'il y a et j'ai plus rien. Je savais même plus que c'était ici, tu vois. Je pensais même plus à ça, tu vois. Eh bah, moi je connais mec, pas du tout. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y avait déjà ça, tu crois? Ouais, je sais. Ouais, si. Oh! Wow. Oh, y a le lore, oui, monsieur. Le lore. Lore Manou, d'où vient, on prend à gauche. Ah! Bah, y a un truc. Nous avons ici. Hop là, c'est moi qui prends. Tu as raison. Et attends, y'a pas des coordonnées dessus? Attends, y'a pas des. Justement. Oh non, mec, on est trop ensemble et notre amitié coûte 99 centimes. Ouais. Oui. Et t'as vu, on pense toujours à la même chose. Et du coup là, ça. Ok. Mais ouais, non, mais what? Mais c'est impossible. Eh, haute combien ça. Tu sautes? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, on peut plus voler en fait. On peut plus voler. Mais mec. On est mais du point du glitch. Oh waouh! Oh gros! Non mais là. T'as jamais vu ça, c'est impossible! Alors attends! Regarde ce que je vois, il y a un hôtel devant et un hôtel là-haut à gauche. Avec, il y a ouais. Des clés. Oui voilà, tu vois pourquoi on peut plus voler parce que sinon tu montes là-haut. C'est clair, c'est clair. Tu glitches tout quoi. Très bien. Oh là là. Bah, viens, on va rester ensemble en vrai pour découvrir ensemble. Ah bah là oui, là on se sépare pas hein. Mais mec, c'est quoi ça? J'adore. Oh! Ok. J'ai compris. Il faut qu'on monte par nous-mêmes. Il y a tout un système de. Il y a tout un système. Il y a tout un système. Il dit là, c'est que des escaliers. Non mais tu sais, il y a tout un parcours à faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah d'accord. Ok. Et boum!
T'as réussi à la mettre? T'es trop nul. Non, c'est un truc là. Plusieurs générations se sont écoulées depuis la grande migration. Ah bah tiens. Mais nous n'oublions pas notre histoire, n'est-ce pas? Et notre savoir soigneusement transmis à chacun de nos jeunes. Nos maîtres surveillent de près leur évolution. Nous comprenons maintenant à quel point ils étaient primitifs et pourtant si puissants. De façon ironique, leur nature destructive les pousse à s'étendre toujours plus loin. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ils augmentaient leur portée, se rapprochaient de plus en plus. C'est vraiment la comment on dit, le remplacement, le grand remplacement, quoi. Hein. Le grand, voilà, exactement. Jusqu'ici, nous pensions être en sécurité, n'est-ce pas? Mais nous devons maintenant trouver un moyen d'éviter de nous retrouver à nouveau face à eux. Face D'accord. à eux? Ah oui, bah il c'est... Il parle de qui? Oh, bah ça... On a la petite idée, mais bon... Oh! On l'ouvre, t'es chaud? Ah bah vas-y. Grave. 1, 2, 3! Oh! 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 De nouveau un truc d'oxygène, oh et une graine oh dorée. Incroyable. Pour chaque truc, ah! Ouais, je te jure. Ok. Ah, j'ai plus d'oxygène du coup, moi. Allez hop, bouteille. Heureusement que je viens de recrafter, hein, putain. Ouais, j'avoue, moi il m'en reste deux, attention. Hein. Et il m'en reste deux, pareil. Ok, et eh ben on est dans la merde. La suite, c'est où? C'est ici. Et y a plus rien. Donc c'était juste ça en fait. S'il y avait un coffre et un truc à lire. Okay. Très bien, ensuite. Mais y a quand même un truc là-haut à monter, hein. Il faut qu'on trouve un moyen de monter en haut, hein. Y a un hôtel là-haut. Ah, avec un truc de... Y a une clé là, regarde. On la voit ce ici. Sera après, regarde, ce sera après, je vois les passerelles. Donc viens. Ok, let's go. C'est on va, sûr. On part par là. C'est sûr, mec. Ah, mais ils ont construit ces trucs en vrai? Ah t'as ouais. Gueule. Non, mais mec. C'était chaud du cul, hein. Franchement, bravo hein, aux développeurs, encore une fois. Good job, my friend. Ah, mais oui. En fait, plus on avance, plus j'ai des souvenirs qui me reviennent de. C'est vrai. Je l'avais déjà vu, ouais, mais. T'avais déjà vu c'était ça avec, chaud, avec un copain à 99 centimes? On va où d'abord? Bah là, il y a une passerelle. Une passerelle. Pff. Une... Drainage orbital. L'appareil fonctionne comme prévu, nos tests sont concluants. Si jamais ceux qui se font appeler humains s'approchent de cette planète, ils draineraient l'énergie de leur vaisseau et les empêcheraient de communiquer. Nous présupposons que l'appareil contractera effectivement, efficacement leur effort pour approcher de ce secteur de l'infinitude. L'infinitude. Ouais, il sait pas lire. Oh le nul, le dyslexique. La suite ce sera par là. Nos calculs sont concluants, cela nous donnera au moins quelques centaines d'années de quiétude. Wesh, mais qu'est-ce qu'ils combattaient, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, ils combattaient pas la langue de Molière. Hein. Oh, waouh! Mais quoi? Fais gaffe, hein, parce que... Mais what? Ok, mets ta lampe au-dessus, regarde, s'il y a des... Elle bouge, elle tourne, mais ah du oui coup, c'est quoi? C'est une planète. C'est beau. Mais... Y a pas un noyau, c'est pas un noyau d'énergie, genre tu sais, tu branches ta prise USB et je sais pas, mais je pense que si tu fais pipi dessus, il se passe quelque chose. Voilà, faut. On pouvait pas le déconstruire, hein. Oh merde, t'as checké? Non, mais ça m'étonnerait, mec. Si on peut déconstruire, je sais pas ce que ça donne, mais. Oui, j'avoue, t'as raison. Non, mais de toute façon. Des fragments de Zeus, peut-être, mais. Vas-y. Mais du coup, ces clés là qu'on récupère, elles servent à... Il faut ouvrir. Coordonnées! Et clé. Allez! Alors attends, j'ai deux clés et attends, notez. Je note, hein, parce qu'après tu vas me dire que. Hein... Moi, je fais un petit F12, comme ça je suis sûr. Même si tu perds ton papier. Attends, entre les mouchoirs et les sopalins. C'est voilà. Grâce à moi qu'on a trouvé. Alors, je sais pas comment on a fait pour rentrer ici, mais on l'a fait. Hein. Grâce à toi, écoute-le, l'autre. Mais t'as vu du coup? Mec, c'est-à-dire qu'on est passé à côté plusieurs fois. Hein. Bah, c'est juste. Parce qu'à aussi, chaque hein. fois, on passait sur ce plateau et on a jamais vu ça, quoi. Oui, parce qu'en plus, on veut faire notre base sur ce plateau-là. J'ai failli me péter les jambes. Bon, on a tout vu du coup. Ouais, c'est bizarre. Bah, du coup, on sait qu'il y a une grosse boule. À tout moment, elle pète et à tout le moment, voilà. On est plus là. Ah, du coup, on a encore bah, deux. Du coup, là maintenant, il faut aller. Et moi, j'en ai une sur moi. Hein. Oh, quoi? Ah, ouais. Bon, et là, les gens en commentaire, ils vont dire qu'on n'a pas tout vu ici à tous les coups, mais bon. Bah, j'ai regardé, il y avait rien d'autre, tu vois. Ouais, je pense que. Il y avait rien de. Il y avait pas de passerelle, d'autres trucs, d'autres bâtiments. À part si on pouvait rentrer dans le gros bâtiment, mais je crois pas. Hein. Non. Il y avait que... On est caché à la droite, tu vois, pour monter, mais. C'est vrai, mais il y avait rien d'autre, hein. C'est pour ça que je suis vite. Non, il y avait rien. Ouais. En tout cas, c'est stylé, n'empêche. Hein. Très, très, hein très stylé. On peut toujours pas voler. Je spam espace de plus. Hein. 3, 2, 1, on peut. Non, c'est, là, c'est à partir de là-haut. Ah oui. Ok, très sympa. Oh, c'est une grotte à super alliage. Ah ouais?
Ah oui, il y en a partout. Ah bon? Ça, il en faut parce que ça coûte tellement cher à crafter. Je vois. Oh, il y a un coffre. Ah si, il y en a un là. Mais t'es où toi? T'as trouvé le coffre où toi? C'est plus rentable. Mec, j'en ai tellement de super alliage. Impeccable. J'en ai tellement. Bon bah vas-y, on va à coordonnée suivante. Direct. Ah bah grave. Là, tu passes au-dessus. Mais tu vois, tu trouves rien, mais c'est normal. Mais tais-toi, regarde, y'a un coffre, tu l'as même pas vu, trou de balle. Eh oh. Et j'ai deux graines d'haricots encore sur moi là, du coup là. Nickel. Alors, coordonnée suivante, bien sûr, mais est-ce qu'on n'irait pas se choper un habitacle? Ouais, si. Parce que moi, il me reste une bouteille. Vas-y, eh bah direction, donc les coordonnées suivantes que j'ai mis. Bah viens, on le fait ici, regarde, y'a plein de trucs comme ça, on se recrave des bouteilles. Vas-y, hein. Parce que au prochain truc, à mon avis. Bah en attendant, je chope le cobalt et toi, tu fais le truc. Vas-y, on fait ça. Impeccable. Vas-y, on est trop connecté, hein. T'es trop ma baka. Baboubaka. Alors attends, bam. Ah, mais je suis content d'avoir trouvé ça, hein. Ah, il me faut un silicium. Ah, bah tu te débrouilles, Virginie. Oh la forest cat. Ça c'est bon ça. Oh là là, mais là on va forer, mec, hein. Là on va. Ah ouais. Vas-y, habitacle, il est fait. On va forer sale mamen. J'arrive. Et l'établi T2, il est fait. Cool. Y'a pas un de fer là qui traîne? Oh, quoique non, ça, c'est du super alliage. Ouais. Et voilà, monsieur. Trop gentil. Alors attends. Donc, c'était quoi les coordonnées? Vas-y. Attends, non, mais parce que, en fait, reviens dans l'habitacle. Oh, y'a de l'eau. Eh oui. Parce qu'en fait, je t'explique un truc. Déjà, où c'est qu'on est? Parce que sur la carte point d'interrogation, là, on se voit pas, en fait. Bah, quand tu l'ouvres, ça te met. T'es pile au milieu. C'est simple. Dès que tu l'ouvres, ça. Donc, si tu vois bien, y'a un tout petit point là qu'on a mis, et on est là. Ah oui, t'as raison, d'accord, ok. Oui, oui, tout à fait, d'accord. Non, parce qu'en fait, je viens de capter un truc, là. Ouais. Donc, tu vois où on est. Regarde un peu en haut à gauche, il y a un vaisseau. Ah, dans le coin, là-bas? Ouais. Est-ce qu'on l'a déjà pas vu ou pas? Alors, moi, je dirais... On l'a vu parce que je me souviens d'un vaisseau... Ouais, j'ai un souvenir d'un vaisseau qui était un peu dans une configuration comme ça. Oui. Alors je sais pas, tu sais, j'avais fait la blague d'eux, c'était des géants parce que le siège il était énorme par rapport à nous. Alors c'est pas celui-là, non, c'est celui dont c'est tu parles, hein. Il est à droite. Donc on n'est pas allé là-haut. Ah ouais ? Bah on y va. Allez. Ah mais c'est ce qu'on... Eh bah écoute. C'est ce qu'on voit là. Non ? Non. Si, complètement. Ok. Donc on l'a déjà fait. Attends, mais c'est trop bizarre, j'aimerais... Enfin, là, le problème, c'est que comme il y a de l'eau, je suis perturbé, là. Ouais, en fait, là, je reconnais pas l'endroit, tu vois. Mais oui, j'ai l'impression qu'on est jamais allé là, et pourtant... Attends, il y a un coffre, là. Ah, si. C'est ça, le vaisseau qu'on voit sur la carte. Gros, j'ai une troisième graine de courge, j'en ai jamais passé par là, c'est impossible. Mais une graine de courge, on s'en bat les couilles. De haricots, pardon. Ah, ok, pardon, ok. Non, mais c'est moi. Non, mais... on est jamais allé là. Hein. Non, on est jamais allé là. What? Qu'est-ce que... Mais what? Et l'autre qui me dit on a fini le jeu, mais je vais le taper. Okay, oh, c'est... ça rentre. Mais attends, on rentre par où? C'est pas juste un débris. Non, je refuse. Alors, il y a forcément une entrée. C'est juste un débris, je crois. Mais non, arrête. Mais attends, mais il y avait... Non, là, regarde. Mec, peut-être détruit avec des explosifs. Ah, oh, c'est nouveau. Oh, c'est nouveau. Okay. Oh, putain. Mais c'est pour ça qu'on l'a jamais vu, en fait. Donc il faut du C4, allez. Mais gros, explosif. Gros. Abusé. Gros, quoi? Ouvre la carte. Ouais. Et ne bouge pas. Non mais, ouvre la carte. Quoi? Mais t'as la carte quand tu l'ouvres ou t'as autre chose? Oui, j'ai la carte. Moi j'ai détecteur d'épave longue portée. Quoi? Mec, attends, j'ai complètement autre chose là. Comment ça, mon ref? Identification de l'emplacement, matériaux nécessaires, rareté, difficulté. J'ai un détecteur d'épaves longue portée. Rechercher des épaves lointaines. Ah, tu t'es balayage. Fabriqué un truc peut-être. Non. Oh. What? Mec, je sais comment je peux te montrer. Ok, en fait là j'ai un truc. Ça me montre toutes les épaves avec les matériaux nécessaires, la rareté, la difficulté, et j'ai des emplacements avec des coordonnées. Ok. C'est quoi ça? Comment j'ai ouvert ça? Non mais attends, parce que là il y a trop d'infos là. J'avais un truc à te dire en plus. Utiliser cette machine. What? Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai ramassé pour que ça me fasse ça?
Mais j'ai rien. Mais attends, juste un truc. Juste un truc. Ouvre la carte. Ouais. Juste la carte. Je peux pas, je peux plus. Ah bon? Parce que maintenant, dès que je fais point d'interrogation, ça move ce détecteur d'épave. Mais enlève. Mets la puce électronique dans tes gadgets. Enlève, je sais pas ce que t'as. Ok, là je l'ai enlevé, je la remets. Et non, ça me met détecteur de balles d'épave. Mais. Quoi? Utilisez cette machine pour explorer des épaves dispersées aux quatre coins de votre planète. Les portails nécessitent du quartz pour être ouverts. Effectuez une nouvelle recherche d'emplacement si vous n'avez pas assez. Le niveau de rareté. Mais mec, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Merde! Oh non. Quoi? Je viens de glitcher. Je viens de passer à travers. Ah non, hein. Tout va bien. Tout va bien. Du coup, je sais pas où t'es en fait. Je suis juste au-dessus de toi. Je suis juste au-dessus de toi en fait. Je suis en train de faire des glitches en attendant que tu. Attends. Je suis en train de quitter la map. Oh putain. Oh la connerie. Bah je sais pas comment j'ai ouvert ce truc. Voilà. Gros. Ouais. Ah mais non, mais je suis con. Non mais j'ai glitché à travers et j'allais te dire qu'on peut rentrer dedans mais on le sait. J'aimerais trop te faire un partage d'écran Discord pour que tu voyes ça et pour que tu puisses montrer, je sais pas si c'est possible mais... T'inquiète mais je te crois, y'a pas de soucis, j'imagine bien. Non mais l'interface est beau en fait. Superbe. Alors et attends, juste un truc. Et j'ai des emplacements, juste, je piche pas. Mais au pire, vas-y, mais guide-nous là où il faut aller alors. En fait les emplacements c'est pas des coordonnées comme en bas. D'accord. Bon, nous on a des coordonnées à suivre dans tous les cas. Donc on va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 4, on 8, va aller à... ok, vas-y, je te suis. On va aller à nos on a 10, en fait, mes emplacements, c'est 10 chiffres à la suite, sans rien. D'accord, bon, du coup, pour le moment, c'est pas très... Si c'est des... Là, personne ne comprend rien ce que tu racontes depuis 10 minutes. Non, mais t'inquiète, faudra que je t'explique. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y avait un vaisseau... Je te suis. Il y avait un vaisseau... Oh, je te vois dans le GPS, c'est rigolo. Il y avait un vaisseau... Quand tu descends en bas de la carte, il y avait un vaisseau en cul-de-sac, tu te souviens? Et ben il est plus là maintenant, il a été remplacé par ce nouveau vaisseau qu'on voit là. Ah. Mise à jour, mise okay. à jour. Voilà. Allez. Bah, 1500... Du coup, j'ai plus de map, hein, donc moi faut que je te suive. Mais ça, c'est bizarre ça. Je sais pas sur quelle touche j'ai appuyé, mais. Détecteur d'épave. Alors, est-ce que j'ai ramassé un truc? Non. Mais regarde, c'est des fusibles? Non. T'as pas un bah, justement, je regarde. Ouais. Micropuce, déconstruction, l'exosquelette, les bottes, le sac, la lampe torche, la boussole, le jetpack, ouais. Le réservoir et la map. Non, j'ai rien. Ok. Ah mince, par contre, tu m'as pas suivi, je suis bête. Ah non, du coup, j'étais dans la. Ouais. J'étais. T'es là-haut, je te vois. Ah, parfait. Il y a une grotte là, je sais pas si tu veux. Ah ouais. On s'en fout. Enfin, je crois, il y a un renfoncement là. Ah, mais c'est. Mais mec, mais ça ah, bah, sort oui. d'où tout a... ça. Non, 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 et il y a un coffre. Ah. Attends. Ok. Ouais, ouais, bon, une barre et de l'alu. Ok. Okay, mais donc... en fait c'est tout un coin de map hein, je crois qu'ils ont rajouté. Bah en vrai c'est pour ça que ça nous dit rien ouais. C'est tout nouveau. C'est trop bien. Ok, donc 1565, là on y est en fait. Il y a encore un coffre. Ah alors mec. J'ai un... Ok, je crois que c'est mon écran est bugué hein. Ah ouais. Bah en fait mes coordonnées ne bougent plus. Ah bah sûrement un bug. Oh. Mais quoi? Bah, monsieur. Et voilà, donc mes coordonnées 1565, 2500, nous y sommes. Alors attends, on va faire un truc. Non mais attends. Oh ça y est, je reconnais, putain. Ah mais ça existait. En fait, je reconnais, ça existait déjà en fait, on est juste cons. C'est sérieux? C'est juste un coin de la map. Ouais, parce qu'en fait là, c'était ma base, sur mon... il y a 2 ans quand je jouais. Je l'avais fait vers là-bas, mais dans cette région. Ah ouais. Bon, voilà. Alors attends, juste on fait un truc. Je sauvegarde, quitte et relance, d'accord? Vas-y. Vu que tu bugs. Ouais, y'a plus rien qui bouge et c'est... Ah, j'ai la map de nouveau. Bah voilà. Mais du coup, les coordonnées ne bougent plus, hein. Bon, comme tu veux, voilà. Tu veux quitter ou pas? Bon, c'est les coordonnées, on s'en fout, hein. Ok. La map marche, et donc tout marche, donc vas-y. Allez, c'est parti. Oh, il en fait 3. Let's go. Mec. Bah, il en manque un. Mais non, t'avais dit que t'en avais un. Bah, je l'ai mis. C'était un prank. Oh. Gros. C'est explosif. Non, mais attends, là. Y'a un rocher qui rentre là. Mais gros, va pas me faire croire que t'avais déjà ça à l'époque. Mais what? Parce que je t'avoue qu'on va vite. Mais gros, t'avais pas ça à l'époque. Bah, c'est, du coup. Hein? Donc en fait, si ça y avait. Mais j'avais plus du tout qu'il y avait ça. J'avais complètement zappé. J'avais okay. plus que c'était ici. Tu bugs de ouf, hein, c'est terrible.
Tu viens? Du coup? Mais attends, on a plus... il faut faire des bouteilles. Oxygène. Ah bah oui. Bah vas-y. Parce que si on va là-dedans, on peut plus construire, on peut plus rien faire, c'est la merde. T'as raison, t'as raison. Faut juste construire un... J'ai le titane, il faut juste du fer et du silicium. Eh bah il faut redescendre parce que là y'a rien. Là j'ai du fer là, regarde là. Moi aussi. Y'en a un là et un là, prends-le. Ok. Et silicium, y'en a un ici. Donc c'est bon. Ah non, il en faut deux des silicium, il en faut un deuxième. Oh bah ça c'est pas un problème à trouver, regarde. Ouais. Parce que pour faire la... Là, je suis fou, je peux pas le prendre. Mais j'ai. Viens, on l'a fait là. Vas-y. Titane. Ouais. Merci. Hop. Et fer titane. J'ai un titane et un fer, il y en a un juste là. Allez. Tiens. Tout ça pour ça, je suis mort. Je vais juste me permettre de refaire un coffre ou deux, comme ça je peux pouvoir me vider et si jamais on trouve du bon loot dedans, tu vois. Mais permets-toi. Parce que là, avec tout le super alliage que j'ai sur moi... Bah du coup, on ramasse un peu de... truc là, de cobalt. Ouais. Et y'en a pas ici, c'est bizarre. Si, ah si, y'en a là. Mais y'a plein de cobalt là. Inventaire plein. Mais vous fumez, monsieur. Ah si, je suis plein. Fumez, okay. Monsieur. Alors, comment on fait ton truc là de fabrication là, établi? Ah voilà. Hop. Ok. Ah, et franchement, cet épisode, je pensais pas qu'il tournerait comme ça, hein. Bah, surprise sur surprise. Ah oh, ouais, mais moi, est-ce que j'ai du mal à croire que toi, t'as déjà connu ça à l'époque. Je trouve ça si, parce qu'en fait, je me suis souvenu du gros rocher qui descend là, à l'instant, tu vois. Ouais. Mais avant ça, je me souviens plus du tout. Par contre, attends, y'a pas de cobalt là, j'ai pas fait de bouteille moi. Mais attends, je vais t'en faire, t'inquiète, j'en ai plein moi. Ah, ok, nickel. Pas de soucis. Bah oui, du coup, ouais. Voilà, en fait, de là, ma base était là-bas en fait. Et y'a un habitacle là-bas, donc, ouais, ok. Ouais, c'est bien ça du coup. Ok. Donc en fait, cette partie existait déjà, mais c'est juste qu'on a complètement passé à côté quoi. C'est simple, on a complètement. Ah, oh, c'est rigolo. Tiens, on a dit fuck, et puis voilà. Je t'ai donné deux bouteilles. Par contre, ça va suffire, j'en ai 4 sur moi. Ok, bah moi c'est la flotte qui me manquera, mais on verra ça sur place. Hein. J'en ai 3 sur moi, je peux t'en donner une si tu veux. Parfait. Ok, eh ben let's go, explorons encore davantage. Mais attends, du coup ça va mener. Oh là là, okay, bon, on pourra plus voler. Non mais t'es sérieux, gros? Ah, des palmiers! Non mais. Ah! Ah bah ça va s'arrêter là, je crois. Ah. Fond à 2 gigati. Oh, ça va. Eh bah, c'est pas pour tout de suite. Attends, regarde. Eh. Non, Nico, reviens. Tu veux un conseil? Parce que je l'ai fait sur mon monde solo. Ouais. Et du coup, tu tombes dans la suite et ton jetpack est activé. Du coup, tu peux plus sortir et t'es bloqué. Oh, je suis passé à travers, je suis vite revenu. reviens. Oh non, mais c'est excellent ce qu'il y a là-bas. Parce que j'ai fait l'erreur de passer. Et en jetpack, tu es en mode, ah, c'est bon, on peut y aller. Ouais. Et une fois tombé dedans, le jetpack marche plus. Ah, et bah j'étais niqué. J'ai perdu mon monde. ouais, je comprends. Ah, c'est dommage. J'ai pas perdu, mais j'étais niqué quoi. J'ai perdu tout mon inventaire, j'ai tout perdu. Dommage. Mais du coup, on a. Mais d'où voilà. Y a de la végétation là, alors qu'on a même pas débloqué encore. Incroyable. C'est le lore. Le lore. Bah du coup, attends, reviens à l'habitacle. Ouais. On va explorer un peu cette zone hein, parce que. Sur la derrière, regarde. Y'a rien là derrière, y'a quoi? Voyons voir. Pas aller du coup, tu vois. Il y a peut-être un. Je sais pas. Là, je sais pas par contre. Tu vois, bah, regarde, c'est de la convient là. C'est de la convient. Non? Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais non, si. Y a juste rien en fait. Y a juste rien. Regarde. Mais non, là, c'est un cul-de-sac. Mais oui, c'est un cul-de-sac. Regarde, c'est de la convient là, regarde. Oui, par là-bas, oui. Oui, par là-bas, oui. Non, mais c'était ici en fait. Je voulais voir ce qu'il y avait dans le creux, tu vois. Et eh ben dans le creux avant. Oh, coffre! Ah, oh, échelle! J'arrive. Viens. J'arrive. Dans le creux avant, il y avait un vaisseau. Yes. Il me semble. Il y a un coffre à côté, je l'ai ouvert, je t'attends pour que tu vois ce qu'il y a dedans. Ouais, attends, t'es où là? Et gros, Alors, reviens où on était avant. Là où tu m'as dit par là-bas, c'est de là où on vient. Ah, c'est là que j'étais. Bah, j'y suis aussi. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Attends. Là, t'es où? Attends. Mais mec, non mais... Dans le creux là, t'es où? Je te vois. Là, voilà. Oh putain, les deux Google. Ah merde. Ok. Voilà. Ton là, regarde. Là, caché derrière ce petit truc là. Ah ouais. Là, attends, je vais juste faire un petit. Hop. Attends. Hop, voilà. C'est pas de la convient. Je comprends plus rien à ma vie.
Écoute, je cherche pas à comprendre, hein, franchement. Ah ouais? Non mais... Juste ouf ce coffre. Y'a rien de fou, mais en vrai c'est sympa. Enfin si, y'a un truc qui est sympa. T'es descendu? Ah non, t'es là. Putain, on est allé si loin. Je viens d'ouvrir la carte et je viens de comprendre. On est allé si loin. Et en fait... Et tu peux pas ouvrir la carte du coup ou tu peux... On était... Si c'est bon, là je peux maintenant. Voilà, alors regarde. Quand ouvre la carte et quand tu descends un peu, tu vois donc la mine de soufre. De soufre, hein. Oui, sous le gros vaisseau, ouais. Voilà, donc tu vois notre base, donc la mine de soufre est sur le notre base, au-dessus. Et juste au-dessus, ouais, c'est ça. Et ben juste à gauche, t'as un gros creux à gauche. Ouais, c'est là où il y a les chutes de sable. Voilà, bah et si après à gauche, t'as à nouveau une verrue là qui rentre dans les rochers. Voilà, et ben cette verrue qui rentre dans les rochers, là-dedans, il y avait un vaisseau avant et il y est plus. Oui. Ah, bien vu. Voilà. Ils l'ont enlevé. Mais du coup, il y a peut-être autre chose en vrai, non? En vrai, voir, je serais chaud qu'on y aille après, oui. Du coup, ouais, regarde où c'est. Pourquoi il fait tout rouge là? Pourquoi il fait tout rouge? Oh, micro-ampus! Micro-ampus! Voilà, c'est tout. Ouh. Allez, échelle. Oh putain. Ouh. Que des casiers. Oh putain, les casiers. Ok, ok. Nul à chier. Quoi? C'est tout? Non. Par contre, la luge, je prends parce que la luge. Y'a que ça? Alors, à mon avis, c'est un truc que tu découvres début de jeu parce que. Ah. Tu vois? Y'a moyen. Un peu déçu. Bah allons voir du coup. Bah attends, on va se remettre. Je me remets full oxygène. Ouais, ouais attends. Ça on s'en bat les couilles. Ça aussi et ça aussi d'ailleurs. Ouais, on va juste vérifier le fameux truc qu'on a dit là. Vas-y, vas-y. Et après, on ira peut-être voir. Enfin, sûrement, on ira voir le nouveau biome alors. Si bah ouais, carrément. Si on peut, si on peut. Allez, et eh ben t'es où? Attends, je récupère juste un de fer, c'est bon. Ok. Je sais pas si tu me vois. Attends, je suis à l'habitacle vite fait. Je me craft juste, hein. je t'ai vu. Ça fait, j'ai du quartz sur moi. Voilà, comme ça, je suis sûr d'avoir assez d'oxygène. Ok, bah let's go. Hein. T'as raison. Et par où le biome? Bah écoute, en fait, on revient chez nous. Hein. On revient vers chez nous, ouais. Bon, bah, mais en passant par là, et. Et oui, on était donc jamais là, oui, c'est bel et bon, bien. Bon, du coup, il faut retenir que 2 gigati, le truc fond, et on pourra rentrer. Tout à fait, comme d'ailleurs beaucoup de trucs qu'on a vu là, comme chez nous, près de notre base d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais là-bas, c'était beaucoup plus, je crois. C'était pas 2 gigas, c'était. Mais mec. C'était 40. Mais 40, mec. Je sais pas quoi. Mais là aussi, on a un nouveau truc. Non, mais c'est pas ça. En fait, je crois que le truc chez nous, là, qui font, ça va rejoindre ce. Dans tous les cas, ça rejoint l'autre truc aussi. Ah. Je pense. Ah, bah, on note des petits bugs. Ah, j'ai pas vu. De map. Bon, on voit sous la map. Hein, c'est... Ah, d'accord. Tu vois une belle limitation de map, là. Ah mais si, il est là le vaisseau, il est encore là le vaisseau. Laisse tomber. Ah, mais il est juste plus indiqué quoi. Il est plus indiqué sur rien en effet. Mais pourquoi il était indiqué avant? Bah je sais pas. Là il est plus indiqué. What the fuck. Oh, il est de nouveau indiqué, oui. Ah bah voilà, il avait juste pas chargé en fait. Ah oui, l'autre a disparu en haut. Non mais MDR. Bah tu sais pourquoi? À mon avis, ok, on peut se balader sur la map, mais la fusée satellite là qu'on lance. Ouais. Bah, à mon avis, c'est elle qui fait en sorte de voir plus loin ou pas, tu vois. Et comme on a que lancé une T2, bah on voit pas encore tout. Moi j'ai surtout l'impression que ça dépop en fait quand on s'éloigne, c'est tout. Ou ça, ouais, c'est possible aussi. Y'a moyen. Eh bah écoute. Bon, après, je peux plus voler. Comment ça? Ok, je crois que je suis proche d'un. Mais non. D'un. Je suis à droite quand tu sors du vaisseau, à droite. Le vaisseau. Là je peux voler. Okay. Et là je peux plus. Quoi? À mon avis, y'a un truc pas loin là, parce que ça m'empêche de voler, donc c'est qu'il y a un truc. Mais non, mais dans le vaisseau? Attends, si. Va au vaisseau. Non, je suis pas dans le. Tu sors du vaisseau, tu vas à droite. Là, ouais. Regarde, tu me vois là. Ouais. Là, tu montes, et ouais. Au coffre, hop, tu peux plus voler. Là, on peut plus. C'est que derrière ces gros rochers, y'a un truc. Et si, tu regardes la map, derrière, c'est le lore, c'est ce qu'on a vu avant là. En fait, de l'autre côté, c'est les palmiers là. Ah, bah voilà, donc c'est ça alors, c'est pour ça. Ok, ouais. D'accord. La zone est juste mal délimitée quoi. Putain, bien vu. Bien vu. Bah regarde, de toute façon y'a tout qui est bugué ici. Ok, d'accord. Ouais, ça m'a l'air... cette zone a l'air assez Bah écoute, je te propose qu'on aille du coup voir dans la nouvelle zone du coup. Yes, direct. Qui elle direct, est vraiment direct. Nouvelle pour le coup. Et qui se trouve loin à l'opposé, tout ouais, tout à fait, ouais. Ah mais je suis content parce que là du coup tous les gardiens d'hôtel on les a tous utilisés là. Bah pour un truc, ouais. Donc tu vois, c'est bien les trois qu'il fallait trouver quoi. Trop bien. Ah c'est top. Et là on avance, c'est cool en vrai. Ah ouais. Et on apprend des choses, on apprend qu'ils ont essayé de se défendre contre quelque chose. C'est ça. On aurait peut-être dû. On aurait peut-être dû déposer nos loot en vrai, non? Ces gros schlags. Ouais.
Vas-y, on fait ça. Bon, on est pas loin, là, là on... Oh! Mec, les coffres respawn, c'est pas possible. Je pense. Il y avait une graine 400% là-dedans et tout, mec, c'est pas possible, obligé. Je pense. Bah les amis, on fait une petite ellipse, le temps de ramener tout ça à la base, et on se retrouve juste après à l'opposé de la map. Allez, salut. J'ai juste un plan de micropuce. Ah, t'as ramassé l'eau. Et voilà. Ah bah non mais gros. Mais c'est une sketch. Ah les amis, pour vous expliquer, il y a 2 minutes, il était là en train de dire, bon alors l'explosif, je me demande comment non, on fait. Il y a 20 secondes. Ouais, il y a 20 secondes, ouais, c'est vrai. Vraiment, avant que tu prennes, je disais ça. Alors, et, il faut faire quoi pour fabriquer? Et on vient de le débloquer. Bah, au Biolab, 2 poudres et un circuit imprimé. Donc, il faut qu'on se fasse le truc T2. Mais pour faire le T2, il faut des algues. Donc, ouais, il faut un peu attendre. Après, ah, les algues, faudrait qu'on aille voir. Hein. J'en ai des algues. J'en ai récupéré en off. Regarde, viens en bas. Juste ici. Voilà. Il en faut 3. Allez, vas-y, fais-moi arriver. Allez, let's go. Attends, là tu peux faire les explosifs? Non, normalement, parce que là je peux crafter les échantillons de bactéries. Ouais. Mais avec les échantillons de craft. Là, micro plus de déconstruction T2. Et il faut des cartouches. Ah, mais non, il faut des cartouches de méthane. Ah merde. Bon. Ah putain, c'est ça qu'il fallait. Et les cartouches de méthane, il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah mais non, c'est l'extracteur de minerais, donc ouais, pas encore. Ah dommage. Dommage, bon au moins t'as vu... Mais au moins on a les algues. On a bien les vu. Algues. Bien vu, bien vu. On va y repasser devant après, on pourra en récupérer si on veut. On va go au biome. Go au nouveau biome. Attends, oups, la nourriture. Ouais, moi j'ai pris des haricots un peu, j'ai des courges, des haricots, j'ai un peu tout. Là oui les amis, on peut se faire plaisir avec les haricots parce que là on a que des haricots en fait maintenant. Et puis on a même encore des graines de haricots justement qui traînent pour le moment. Voilà ouais. Plutôt pas mal. Bien. Et la flotte, j'ai 4 bouteilles et 5 bouteilles d'oxygène. Ok, on est bon. Parfait. Non mais c'est un... Il y a des coffres qui spawnent, c'est obligé. Impeccable. Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Trop bien. Oh. Oh. Alors je te suis. Oh, il y a des murs invisibles, il y a des murs invisibles. Ah non. Ah merde, attends, je t'ai perdu. Je suis à la grotte Iridium, moi. Ouais, j'y suis, je suis au-dessus, moi. Ah ok, ok, ok. Ah, t'es au-dessus. Attends, je te vois pas. Ah, moi je la traverse, hein. Attends, bah je suis, attends, reste dans la grotte à Iridium. Mais encore un. T'es sérieux? Un coffre à micropuce, ouais. Arrête. Ah, mais c'est pas les coffres, on avait dit, on les laisse vous fermer pour le temps d'attendre. Ah, et t'as raison. T'as raison. Trop tard, j'ai ouvert. Par contre, frérot, regarde. Tu l'as. Regarde en haut. Mec, ouais. Viens, on monte. C'est sûr, on monte. Ouais, bon. On peut pas monter. On peut pas monter. Je suis sûr, on monte. C'est fait en sorte qu'on peut pas, hein. Mais gros. Oh, y'a un coffre là, aussi là. Y'a quoi en haut? Plan de micropuce. Hop là. T'as raison. Par contre, je sais pas moi, mais c'est sûr qu'il y a. Parce qu'en fait, je t'explique. Avant, j'ai escaladé à l'extérieur et y'avait un mur invisible. Je pouvais pas y aller. Donc, c'est que forcément. Attends, moi je vais à l'habitacle. Quand tu sors de la grotte à droite, y'a un habitacle. J'y vais juste pour prendre l'oxygène. Pas de soucis. Oh, mais maintenant, viens voir. Ouais. Oh, le lac, il est complètement rempli. Attends, parce que là, il fait nuit. Ouais, on voit pas bien, mais. Ah, d'accord, oui. Ah, oui. Y'a de l'eau partout. Oh, c'est mignon. Bah, y'a les algues justement là-dedans, hein. C'est là que je les ai récupérées. Oh, c'est profond maintenant. Oh. Ah, bah, ça, mon pote. Elle est bonne? Elle est très très bonne. Ok. Mais attends, mais mec, viens, je suis sûr qu'il y a moyen de monter. Vraiment, hein. Y'a un truc en haut parce que c'est notre plateau où on veut construire notre base. Mais parce que sur cette partie-là, y'a des murs invisibles. C'est bizarre. Vraiment? Ah, vraiment? Il t'empêche de monter et en même temps t'as moyen. Regarde. Oh putain, ça monte là. Ça grimpe. Oh, j'y suis. Eh ben, je t'attends. Eh ben, voilà. J'y suis. Eh ben, regarde. Oh! What? Oh! Ah! Mec. Mais y'a un biome là! Mais mec. Mais y'a un biome! Par contre, on flotte là. On est sur des murs. Attends, viens. L'entrée est ici, regarde. Ok. Là, voilà, c'est bon. Ok. Non. Si. Ah, il y a des murs invisibles. Si, c'est bon. Voilà. GG. Je me suis pété une jambe, mais. Ok, donc c'est le biome zéolite. Mais ça, il faut aussi le zéolite parce que ça pourra crafter la poudre explosive là. Il en faut. Très bien. Mais j'avais raison. Il y a un biome avec des arbres. J'avais raison, on pouvait monter. Il y a un coffre. Il y a un truc. Haricot. Oh, c'est joli. Haricot, micropuce. Haricot. Oh. Ça fait quoi si je mets. Tu as pensé un truc bizarre toi je pense.
Non. Non, regarde gros, bon, regarde. Zéolite. C'est je te l'avais dit. Ah. C'est juste en bas. Alors comment on fait pour venir là de manière legit? Parce que là on a un peu cheaté, non? Bah à mon avis c'est avec le jetpack, mais y a rien en fait. Ah si, y a un coffre là. Hop là. Non mais y a trop de haricots par contre. Oh ça c'est bon ça. Le truc, ouais bon haricots, voilà. Moi je prends. On a 6 à la base déjà. Donc il y a juste ça en fait, ok. Mais attends, c'est trop bizarre parce que t'as vu, on y est allé en forçant hein. Bah attends, on va remonter. Attends, on a vraiment fait le tour là? Ah, y'a un coffre là. Mais tu l'as pris celui-là, oui c'est vrai, tu l'as dit en plus. Là regarde, attends. Ah ouais, j'avoue. Bah si, je pense que c'est quand t'escalades les rochers hein, à mon avis hein. Là regarde, je pense que tu viens ici. Tu viens là, tu viens là. Ah non. Non. Non non, vraiment c'est, il faut y aller à la one again quoi. C'est trop bizarre. De toute façon, c'est un easter egg. Bah en vrai, je me dis ouais. Y'a moyen parce ouais. Que tu sais c'est caché et genre il faut que tu le découvres et ouais, je suis sûr que c'est un easter egg. Et bah je suis content d'avoir forcé. Voilà. YOLO. Wouhou. Oublie pas ouais voilà de voler. Allez. On retourne ici, on fait une halte. Ouais. Et on y va vite. Et nouveau biome ouais. Oh pourquoi y'a du vert? Ok, bah GG hein. Pourquoi y'a de l'uranium? Parce que je les drop parce que je suis full. Mais t'es un salaud toi. Et de l'uranium, mais on peut en avoir plein, c'est bon. ok, l'étoile elle est où là-bas? L'étoile? Ouais, enfin la porte des étoiles là. Ah la porte. Oui, j'abrège, c'est bon. Abrège frère. Oh. Ah oui, là il y a mon extracteur de minerai que j'avais mis. Tout à fait, oui. J'avais déjà récupéré des trucs là-bas. Ah, oh, mais il y a de l'eau partout, c'est trop bien. L'eau c'est la vie. C'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est d'aluminium hein, ici. Hein. C'est que de l'alu, ouais. Oui, enfin, il y en a. Ouais, bon, il y en a un petit peu. Ah, j'adore bien, cet épisode. Putain, ouais, on va être surprise en surprise là, c'est trop bien. Oh là là. Putain, vivement le jour, on peut lancer une fusée, aller dedans et partir sur une planète, ça sera trop bien. Ah, moi j'y crois. Hop là, plan de micropuce. Allez, ciao. J'en ai deux sur moi. Oh là là. Comme ça, on finira partout débloqué. Ah ouais. Pour finir cet épisode, et ce sera. Oh! C'est légendaire. Nico Ouais. Mais ta gueule. Ah bah j'ai juste vu le petit truc petit truc blanc là, tu vois. Ah, explosif, ouais. Oh, il faut de l'explosif, putain mec. Il faut retenir ces trucs. Attends, pour une balise, il faut quoi? Titane, fer, titane, silly et alu. Attends, je mets une balise en vrai parce que ça on va l'oublier sinon. En vrai, ici, ouais, t'as raison. Si là. Voilà, je mets une petite balise avec une couleur qu'on n'a pas et au moins Et les trucs explosifs, on leur met la même couleur, genre une couleur noire ou un truc comme ça. Bah je mets rouge. Ouais, si tu veux. Y'a ça et celui-là qu'on... Bon, l'autre on le retient, l'autre il est en... L'autre on le sait parce que voilà, c'est ça. Comme c'est une... Good. Et... Parfait. Rouge. Bam. Voilà, comme ça. Impec. Bon, il est un peu dur à voir, mais ça passe. Non, mais c'est bien, au moins c'est discret. Ok, la porte des étoiles. Ok, let's go. On avait pas fait un habitacle quelque part là? Si, je crois. Si. Parce que j'ai pas envie de claquer une bouteille. Oh, elle est presque sous l'eau. Si, là-bas. Elle est sous l'eau, c'est sympa. Sous... Ah merde, ah oui, du coup. Plouf. Bah, y'en a une autre, hein. De quoi? Bah, y'en a un habitacle plus loin. Ah, bah oui, y'en a un là. Donc, le bum, il est par là, normalement. Ouais. C'est ça? Il est juste derrière les rochers, okay. En fait. Y'a une porte, oui. Ah, on a. Il y a encore plein de trucs ici. Ah ouais? Ah, mais c'est juste ça, c'est des graines, c'est ça. Des graines, ouais. Y'a plus rien sinon. Ok. Bon bah, let's go. Et bah, regarde. Alors, est-ce qu'on y va de moyen legit ou on y va comme des. Ah bah, y'a pas besoin en fait. Mais gros, y a ça qui est nouveau, voilà. Magnifique. Allez. Putain, mais y'avait. Mais c'est trop bien. Ah, oh, ça fait plaisir. Par contre, s'ils sortent des bâches comme ça régulièrement, c'est. Ouais, ah bah, bah, on pourra pas aller. On pourra pas aller. Allez, let's go. Putain. Ce qui est un peu normal, hein. Ah, j'ai trop le seum. Mais bon. Au moins on sait qu'il est là. Ah, c'est joli par contre, c'est stylé. Je suis sûr on passe à travers. Non, à mon avis ils ont fait en sorte. Je suis passé à travers. Viens, tu peux venir. Non, mais gros, non. Mais gros. Alors, si tu veux. Bah j'ai vu, c'est trop tard, je me suis spoil. Non, moi je me spoil pas, Nick. Mais non, frérot, regarde. Regarde. T'es où? Viens. J'arrive pas à passer. Mais non, mais viens. Là. Vraiment, tu veux passer? Mais ils ont fait un accès, regarde. C'est débile. On peut y aller, c'est bon, c'est legit. En vrai. C'est l'aventure. Non, à mon avis, ils ont juste pas fait exprès. Bah ouais. Regarde. C'est cheaté, on est des cheaters. Oh non. C'est magnifique. Enfin, ça fait peur, mais...
Tu crois qu'on peut aller dans l'eau? Tiens, mec, on en fait un ici pour un petit safe. Oui, tout à fait. Inventaire plein. Mais. C'est quand même. T'as vu ça? C'est dingue, hein? C'est ah, est-ce complètement que j'ai de quoi, dingue. Oui. Parfait. Et il me manque un de fer. Ah, là, il y en a un là. Là, là. Là, là. Putain, juste devant. C'est pas grave. Tu vois, pour moi, c'est pas du cheat parce qu'on n'est pas passé à travers les montagnes ou quoi. Il y avait vraiment le trou, quoi. Il y avait un trou. Mais bon, ça aurait été plus simple avec des explosifs. Enfin, plus simple, plus stylé avec des explosifs, tu vois. T'inquiète, on aura l'occasion d'en faire plus. Alors, est-ce qu'on meurt si on va là-dedans? Vas-y. YOLO. Eh ben non, c'est de l'eau rouge. Ok. Super. C'est du vin. Par contre, c'est stylé, par contre. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y aura un nouveau minerai? This is the question. The same question that I me pose. Ah, ok, de la merde. Attends, mais dis pas qu'il y a rien quand même. Mais non, mais attends, c'est grand, c'est grand. Attends, c'est très très grand même. Un petit hôtel, je sais pas, un petit truc. Tokyo Hotel. Là derrière la cascade, il y a forcément une grotte, comme dans tout bon jeu. Ah, ça continue là-bas, putain, mais oui, je suis trop con. Oh oui, il y a des choses, je t'attends. Par contre, attends, petite pause, okay. Il y a un truc qui m'énerve. J'ouvre ou pas? Oh, vas-y. J'ouvre. Il y a un truc qui m'énerve. Oh, d'accord. Dis-moi. Ok, vas-y, un truc qui t'énerve, ouais. T'avais quoi? Ça. Un arbre de rebeu. Mais t'as vu les pourcentages? Ah, 1200, ouais, c'est clair. 1200, gros. Bah, c'est grand remplacement. Par contre, ce qui m'énerve, c'est qu'il y avait une cascade d'eau à quelque part sur la map avant et je sais pas où elle est. Hein. Ah, la grosse cascade! Oui. Ouais, c'est vrai, mais ça, ils l'ont enlevé, je crois. Hein. Sérieux? Parce que sur la map, quand tu regardes. J'ai fait tout le tour avant de la map, elle est plus. Bah, c'est ouais, vrai, d'accord. Il y avait une grosse montagne avec des cascades d'eau. Merci. C'était les waterfalls, ça s'appelait. Merci. Et il y a plus ça. Donc, à mon avis, ils l'ont enlevé. Dommage. Ou alors juste c'est pas indiqué sur la map, tu vois, parce qu'on est trop loin et ça a pas chargé, tu vois. Ouais. Oh yes, maintenant ouais, bien. C'est bon ça. Ça c'est cool. Très très bien. Par contre, je suis full, ça me saoule. Attends, avant d'aller au vaisseau, je veux juste voir si c'est une sortie ça ou s'il y a un truc caché là. Oui, tu as raison. Bon, déjà, il y a de l'alu partout, il y a du soufre partout. Ok, c'est gauche ou droite? Tu choisis. Gauche. Allez. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe, j'ai vu ça dans la patch note. On va se mettre dans le caca. Ah ouais, y a que du soufre. Ah! Ah, parfait. Oh. Voilà, à mon avis, on pourra. Ah. Non, mais gros, il. Non, par contre, là, à mon avis. Ah, dommage. Bon, bah, c'est bien, tant mieux. Comme tant mieux. On va se baisser. Tant mieux. Ah! Ah non, c'est bon. Oui, c'est bon. Tant mieux. Et là, hop là, t'as vu? Quoi? Un petit coffre caché avec des barres. Et il y avait 4 barres d'iridium dedans. Impeccable. Bon, je pense que de côté doit rejoindre aussi. Hein. Ça doit aussi être un truc fermé, je pense. Ouais, tant mieux. Comme ça, on pourra revenir sans problème. Ah, bah, ils ont bien joué sur le terme explosif, hein, putain. Ouais. Ah, ils ont voulu rentabiliser. Part. Oh, bah, regarde, on le voit d'ici, ça sert à rien d'y aller. Attends, imagine. Vas-y, quoi, on peut peut-être. Peut-être glitcher en vrai, ouais. Wow. Non, c'est bon. Celui-là, on peut pas. Ouais. Non, celui-là, on peut pas. Ok. Parfait. Ah, si, on peut. Non. Mais bon, là c'est rocher, on glitch, okay. Non, j'ai pas envie d'y aller. C'est rocher, glitch, rocher, donc on va éviter. Ok. Petite bouteille, hop. En fait, j'ai commencé à glitcher dedans et j'ai vu qu'on pouvait aller plus loin, donc. Ah, ok. On va le faire les guides, quand même. Les guides. Bon, bah, y'a un petit vaisseau. Mais pourquoi, comment il s'est crashé là? Putain, il a bien visé, hein, pile dans le trou là. Ah oui. Champion. Okay. Bon, let's go. Par contre, je suis full, ça fait un peu chier ça. Pareil, mais écoute, on va déjà. Il me reste une place quoi. Ah, moi plus du tout. Donc j'ai privilégié les micro-puces. Oh. Ouais, bon, y'a rien. Ouais, de non, fou. Je suis un peu un acteur. Là, pareil, y'a rien de fou. Ouais, j'ai une micro. J'ai une. Bah, frérot. T'as un micro-pénis, ouais, c'est censé. Oh! Ok. Oui. Je t'annonce que je viens de trouver. Comment on fait? Comment? Tada! Oh, la tenue spatiale! Oh là là, Power Rangers! Mais tiens, regarde dans le casier, il y en a plusieurs! Ah purée! J'ai pas de place, attends. Je prends. Bah, mais j'ai la même que toi là si je fais ça. Oui. Ah, oh, t'es trop sexe! Oh, incroyable!
Et les autres, c'est quoi? Attends, ça je les teste. Y'a un arbre rebeu encore. Incroyable. Attends, vas-y, comment elle est? Comment elle est, celle-là? Je préfère l'autre, je préfère la mienne. Ouais, classique. Genre, et la dernière? C'est les mêmes. Attends. Non, il en reste une là. Ah mais bon. Elle est toute blanche, donc elle doit pas être... Ouais, toute blanche, quoi. Ah ouais, okay, je préfère la rose. On se met rose. Ouais. C'est pas une question de... Voilà, c'est juste... Et voilà, c'était ça. Et un coffre, ok. Donc c'était... Bah, en même temps, c'était un peu sûr, j'ai envie de dire. Nouveauté, quoi. Ils te mettent un vaisseau pour justement une nouveauté, quoi. C'est cool. Mais c'est cool. Ouais, on a une tenue rose, c'est trop bien. Par contre, ça continue, hein. Attends, mais t'es parti où, derrière? Bah, le trou en haut, là. Ah ouais, t'es là. Ouais. Ouais, mais là c'est une sortie, je pense. Ouais, mais une sortie vers où, gros? C'est l'opposé de la map. Attends, on ouvre tous les coffres, on en a plus rien à foutre, on prend plus rien. Ouais. Oh waouh! Mais quoi? Mais il est énorme! Putain. Oh, c'est trop beau. C'est légendaire. Avec le petit vaisseau là, un peu en retrait comme ça. Ah mais là c'est un hélicoptère, le truc. Ok, le fond du vaisseau, mec, il est juicy. Oh. Ah oui. Encore une graine rebeu. Il faut qu'on les prenne, hein, les graines rebeu, hein. Clairement. Hein. Vas-y, je vais boire une goûter de flotte, manger un haricot. Hop. Et super alliage. Il y en a aussi une là. Et un super alliage aussi, il faut prendre super alliage. Vas-y, une courge, ça dégage. Après, super alliage, gros, on en a plein et on peut en fabriquer. Hein. Mais on en a plein. Ouais mais quand même. Ouais. Préfère manger une courge et jeter une courge et prendre ça, tu vois. Oui, non mais bien sûr. Bon bah voilà, on a pris tout ce qui était intéressant. Ça continue, hein. Mais quoi? Et y'a pas un petit truc derrière les cascades? Non, on y a rien. Et ça coûte pas de pain d'aller voir? Putain, mais y'a trop de trucs. Ok. Va falloir qu'on se tape des allers-retours là, hein, parce que... J'ai du mur invisible. Ah bah là on a... Ok, on revient pièce centrale. Donc on a fini, ok. On a fini. Ah bah incroyable. Bah, franchement, belle découverte, hein. Très très belle découverte. Franchement, superbe. Et on a des combis roses. Ça, je trouve, c'est le mieux, quoi. Franchement. C'est vrai qu'on est très 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 stylé. T'es descendu? Ouais. Ok. Incroyable. Okay. Mais du coup, il y en a 15 des combis, hein. Là, il y en avait que 3, tu vois. Tout à fait. Deux roses, une noire et une blanche. Donc il y en a encore 13 autres. Tout à 12 fait. Autres. Attends, il faut qu'on mette une balise noire ici aussi pour qu'on se rappelle que là il y a des trucs à péter. Hein. Hop, à péter? Ah oui, putain, ouais. Balise rouge. Attends, je vais drop juste quelques trucs. Voilà. Donc il faut. Il n'y a pas d'aluminium, laisse tomber. J'en ai plein sur moi. Ah ok, bah attends, bah j'ai du titane, il me manque juste le silicium. Bah ouais, moi j'ai. Attends, j'ai le titane, c'est bon. Allez hop. Je mets une balise où? À côté de l'habitacle, hein? Oui, là, ouais, bien sûr. Voilà. Et couleur rouge. Voilà, c'est bon. Parfait. Bah écoutez, les amis, on va. T'as pris tout ce que. Tout ce que j'ai drop, t'as ramassé? Faut croire. J'ai drop une barre d'iridium aussi. Oui, je l'ai ramassé, ça, plus je l'ai prise, ouais. Ok. Alors, comment on sort? C'était où? C'était là. Voilà. Ah, c'est superbe. Ah, c'est bizarre quand même qu'ils ont laissé. Je sais pas. Un si gros trou comme ça. Mais y a moyen que ce soit pour les gens comme nous. Tu vois, t'as vu, comme ça on était tout content de pouvoir y aller. Et en fait, dans tous les cas, eh ben, il nous faut quand même. Pour la suite, quoi, les explosifs, quoi. Voilà, Ludo qui bug, évidemment, il ne m'a pas entendu. Évidemment. Allô Ludo. Allô Ludo. Ici la Terre. Est-ce que tu m'entends, Ludo? Allez, de retour à la base, les amis. Ah, home sweet home. Home sweet home. Alors... Du coup, les graines d'arbres rebeux, faut mettre ça dans quoi? Faudra le mettre dans le biodôme. D'ailleurs, qu'on peut crafter. Qu'on peut crafter, qu'on va faire juste après avoir rangé nos coffres. Exactement. Ah, c'est superbe. Et l'uranium est plein. Alors fais des barres. Je vais faire des barres. Oh, des barres. Ah, des barres. Ezobi. Ezobi. Alors attends. Casse les couilles. Voilà, une petite barre. C'est bon. Je te jure. Et on a un petit moteur de fusée. Ça, c'est cool aussi. Ah ouais. Pour relancer une petite fuse. C'est vrai.
Pourquoi il fait sombre comme ça? Et salut à tous, c'est Fuse. Ouais, non, c'est pas vraiment cette voix. Hein. Oh, ça va. Alors, les micropuces. Allez, micropupus et de une. Micropuce torche T3. Oh, ça va, on va avoir un phare, qu'est-ce qu'il mais faut? Ouais. Oh, il faut du quartz solaire. Solaire. Mais on trouve ça où? Faut aller sur le soleil? Ah, mec, imagine c'est la grosse boule qu'on a vue tout à l'heure, là. Oh! Et je parle pas de ma grosse boule, là. Ok, à moi. Vas-y. Il n'y a plus de plan à décoder pour l'instant. Non. Non, la c'est vie une blague. C'est... Oui, oui. La vie de même. Bah tiens, essaye, hein. Non, mais j'ai fait, parce que j'ai trois, j'en ai deux. Ah, ok. Il y a plus de plan. Bon. Donc il faut qu'on débloque des trucs pour le... Ok, bon, on va les foutre là-dedans, hein, tant pis. Bah du coup, vas-y, Ah bah je suis déçu. Je suis... Ouais. Biodôme, du coup. Yes. Alors... Alors, il faut des... ramène-moi toutes les algues, s'il te plaît. Oui, tout de suite, chef. Merci beaucoup. Maître. Moi, je vais ramasser... Hop. Ah, t'inquiète. Okay. Vas-y, fais. Il me faut juste des aubergines, en fait. D'accord. Il en faut. Et il faut masse bouteille d'eau aussi. Donc je vais chercher les bouteilles d'eau dehors. Ah oui, ramène-moi des bouteilles. Hein. Des petites bouteilles à pupus. Et il faut de l'aubergine, du soufre. Ouais, j'ai tout sur moi. D'accord. Ich komm. Ya. Alors, hop, là je vais faire... Ah bah il faut les algues. Je suis là, bébé. Balance toi tes aubergines. Et je te donne ça aussi. Tu veux que je te donne quoi? Ah vas-y. Bah du coup toi fais l'engrais, moi je fais les échantillons de bactéries. Donne-moi juste des algues du coup. Bah moi j'ai déjà un échantillon de bactéries moi là. Ah. Bah il en faut deux donc En fait pour être très honnête avec toi, j'ai fait tout ce qu'il fallait je crois. Ok bah vas-y hein. Ah merde, il me faut encore de l'engrais. Il me faut encore un engrais. Ah merde. Qu'est-ce qu'il te faut? Ah bah une aubergine. Tiens, j'en ai plein sur moi. juste une. Tiens. C'est bon. Ah merde, il me faut une algue et il y en a plus. Oh le seum, juste pour une algue. Il y en a plus, gros. Si, regarde, il y en a. T'inquiète. Sérieux? Faire vitesse. T'es où là? Mec, c'est juste. C'est... Je suis déjà quasiment au lac. Je vais en chercher. Oui. Il dit ça, je l'ai vu encore sur le rocher là. Avec ma belle combi rose. C'est vrai. Elle fait pas si rose que ça là, la lumière. Allez hop! Il te fallait quoi? Engrais? C'est juste au... Oui. Non? Oui. Tiens, à tes pieds. Merci. Et on le met où? Mais attends, il me faut des... Mais attends, mais gros, je vais péter un plomb, là. Tu veux crafter quoi? Engrais. Et il me faut de l'aubergine. Il faut deux engrais. Tiens! Merci. Combien il t'en faut? Encore un? C'est bon. Attends. Et là, maintenant, il me manque plus que du super alliage. Ok, vas-y. C'est moi, je vais redéposer tout ce que j'ai en bas. En bas. Et en on... Bas. Ouais, on le met en haut hein, pour le moment. Ah mais t'as mis là les fusibles, dans le truc des algues. Bah, vu que c'est le même... la même forme, je me suis dit bon. Ah ok, parce que moi je les mettais avec les micropuces, tu sais. Mais complètement, t'as raison. Voilà, après bon, hein, chacun... Voilà. Bon, c'est très moche les amis ce que je fais pour le moment les amis, mais on s'en fout parce que de toute façon on va s'installer dans le prochain épisode dans notre nouvelle base. Alors vous inquiétez pas, on va en faire une nouvelle. Oh waouh. Ah on peut en mettre deux, c'est trop bien. Ah on peut en mettre deux. Ah non, ça c'est ce que ça produit ça. Ah. Mais non, c'est pas les... C'est bon. On est trop con. Mais c'est bon. Ah voilà. C'est toi qui es trop con là, qu'est-ce que tu veux. C'est ça là, c'est ces arbres, ils sont moches. Attends, si je les enlève. On peut encore ça change même pas. Ça change. Mais non, c'est moi qui les ai enlevés. Ah t'es sérieux? C'est la même interface, oui. J'ai enlevé pour voir si les arbres ont changé. Mais du coup il m'en reste deux sur moi. Et du coup là, oxygène 1200%. Attends là, on doit être à combien d'oxygène? On suffoque hein, carrément. Oxygène, on est à 4265 par seconde. Oh. Ah oui, c'est la fibre. Et attends, si j'enlève, on est à combien? Pareil. Attention. Attends, j'ai pas encore enlevé. Ah, d'accord. Là on est à combien? Pareil. Quoi, vraiment? Ouais. Okay. Alors il faut attendre que ça pousse. Ah bah ça doit être ça ouais. Moi ouais, je sais pas écoute. Ça doit être ça et ouais. Et c'est beau. Je sais pas. Bah on a encore deux graines du coup hein, de rebeu. Alors je vais les mettre avec les graines de les graines ici là hop voilà. Ouais, il y a les graines en haut ouais. OK. Mais putain, mais je fais que voilà, c'est bon.
Ah, elle est rigolote. Et bah, je suis quand même déçu des micro-puces, tu vois. Comment ça, on a découvert tous les trucs là? C'est pas normal ça. C'est pas normal ça, ouais. C'est pas normal, hein? Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord bon, après, avec toi. Bon, en tout cas, les amis, prochain épisode, on s'installe. Franchement, c'était chaud. Prochain épisode, on s'installe dans la nouvelle base. Hein. On fait une nouvelle base. Ouais. Hein. Ouais, de fou. On va être bien comme des homos. Hein. Allez. On soit pas gêné comme ça, enfin, Bichette. Ah, mais du coup, maintenant, on peut se faire le. On l'a déjà, j'ai rien dit. Je ferme ma gueule. Ah non? Je voulais faire le jetpack T3, mais on l'a déjà en fait. Pff, voilà, Ah bah oui. Voilà, c'est quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. Un épisode absolument mais légendaire par contre. Hein. Putain, trop bien, franchement. Incroyable. Hein. Et niveau courant, on est comment? Ah bah oui, bon, allez. Je crois l'électricité, on n'aura plus jamais à se soucier. Pour l'instant. Oui, et puis de toute façon, dans la nouvelle base, on aura tellement de place qu'on s'en souciera pas non plus, je pense. Là, on pourra faire des réacteurs T2, on peut en faire. On peut littéralement en faire 2. Littéralement. 3 même, 4. Ah, c'est superbe. On peut en faire. Non, on peut en faire 3. On peut en faire 3. Bon, écoute, on n'est pas à ça près, voilà. Mais ça fait plaisir en tout cas. Bah, les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Hein. Si c'est le cas, vous me bombardez comme d'habitude hein, cette barre de like. On va essayer de dépasser le cap des 20 pouces bleus. Et puis voilà. Et puis tu. Vé les motards. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Help. Ah, c'est pas ça. C'est peut-être celui-là. Non, c'est peut-être celui-là non plus. C'est celui-là non plus. Bon, je sais plus. Ah bah c'était la première touche en fait. Ah non, pas du tout. Non, c'était le 4. Le 4. Non, le 5. Non, le 5. C'est le 5. Non. Si. C'est le V des motards, le 5. Ah oui. Non, je croyais que tu parlais du wouhou. Bref, allez, salut tout le monde. Salut. Ah, les gens, ils vont rien comprendre. Oui. Prochain épisode, ils vont voir un To The Mood là, ça va être... Ah j'adore. N'importe quoi. Oh mec, cet escalier. Le jour où ils mettent la physique, on est mort. Ah, je te jure. Ça va être tellement plus simple là, tu voles et hop, droit et t'as pas besoin de te faire chier. Oh mec, ce pont.